au Mali, la musique moderne s'inspire très souvent des sonorités du terroir. Ce genre musical appelé très couramment tradit moderne est encore pratiqué par certains jeunes artistes. Ben Zabo fait partie de ces artistes qui ravivent la flamme de la musique du terroir bois, un peuple qui vit à cheval entre le Mali et le Burkina Faso. Les guerriers du Boitoun, comme on les surnomme, a fait ses débuts auprès de l'orchestre de sa ville natale Tominia dans la région de Ségou. Arrivé à Bamako en 2000 pour des études supérieures à la faculté de médecine, il intégra plusieurs formations orchestrales pour animer dans des clubs ou des cérémonies de mariage et de baptême. En 2004, il entre au Conservatoire des Arts et Métiers Balafassi Kekouyaté de Bamako. Chez nous, quand même, la musique est l'apanage des hommes de caste, que sont les griots et les forgerons. Par conséquent, j'ai grandi dans un environnement familial qui est hostile à la musique. Et pour apprendre la musique, il fallait quand même approcher des gens qui sont professionnels et qui savent faire ça. Son premier album sorti sous le label allemand Glitterbeat Records le 25 mai 2012 le propulse sur des scènes au Mali, dans la sous-région et en Europe. Il fait des premières parties de certains grands artistes de renom comme Tiken Diafa Koli, Benke Traoré ou Fellobi Traoré. Le deuxième album sort en décembre 2014. Je suis beaucoup patriote dans mes chansons parce que le Mali, je pense que depuis que je me suis retrouvé sur la scène, ou du moins depuis que j'ai débuté cette carrière d'artiste, le Mali est quelque part dans les problèmes. Et donc je parle beaucoup de cette situation que le Mali traverse. Également, comme je l'ai dit au départ, que je suis un missionnaire et ma mission consiste à révéler davantage la culture de mon peuple. Je parle beaucoup des valeurs de notre société. Ben Zabo prépare activement son troisième opus dont la sortie est prévue début 2017. Autre projet qui lui tient à cœur, la création d'un espace dédié à la culture bois à Bamako et la création d'un festival de musique dans sa ville d'origine, Tominia.